Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Je suis ici à Paris. Nous sommes mardi 29 août 2017. Je suis Serge de Muller de Fribourg-Aiguin. Je suis ici devant le musée Picasso que vous voyez derrière moi. Cet hôtel particulier du 18e siècle ou d'avant même. Le musée Picasso a vu le jour avec la donation de la famille Picasso. Quand Pablo Picasso est mort en 1973, sa fortune était tellement grande que l'imposition fiscale était énorme et la famille a payé avec le patrimoine de Picasso ou ses tableaux. L'État est devenu collectionneur de tableaux et pour les abriter, il a ouvert ce musée qui a été restauré récemment et ouvert récemment. Et c'est très réussi, c'est des grandes salles, enfin pas des grandes salles, mais des belles salles, claires, éclairées, on voit bien les tableaux, c'est sobre, c'est très très réussi, oui, oui, c'est bien. Bien, l'exposition, ça va de la collection personnelle de Picasso, j'ai vu un Henri Matisse, un Paul Gauguin, un Van Dongen. J'ai vu beaucoup de photographies de Picasso, il était très photographié effectivement, beaucoup de portraits de lui. J'ai vu des peintures à l'huile, c'est ce que je regarde de préférence. C'était le premier qui avait fait des portraits avec un œil ou trois yeux. Et ma tante Lucie Van der Waal disait que c'était pas de l'art, c'était pas à considérer, pas de la peinture. En attendant, Pablo Picasso est devenu le grand artiste du 20e siècle et il fait fureur partout où il va, il a énormément de succès. Cette exposition aussi d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est les derniers jours en plus. Bien, pour la suite de l'exposition, j'ai vu des peintures, non, des gravures, des dessins aussi, céramiques, quelques céramiques aussi, oui. Et puis ils ont complété l'exposition avec des posters de lui. Et puis une partie de l'exposition qui m'a intéressé, c'est qu'il était à Valoris, en France. Là, il faisait de la céramique et il a fait quelques tableaux et c'est intéressant, oui. Ma sœur va de temps en temps à ma Valoris maintenant, au sud de la France, en Provence. J'ai profité d'acheter quelques posters, ils ont un magasin bien sûr. Et voilà, c'est une belle journée. À bientôt, bye bye.